Hello les bashers, c'est Vince et Basher Brothers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unbox. En soi, c'est juste voilà, que je me suis dit que ça pourrait peut-être intéresser aussi de savoir où je me fournis, ainsi de suite. On a avec nous, donc là, j'ai reçu aujourd'hui, un colis qui vient de chez... un colis de vis. Je m'installe, c'est plus facile. Bougez pas les amis. On a reçu un colis parce qu'en fait, en règle générale, plus ou moins une fois par an, je fais une grosse commande de vis sur internet. Et donc, j'ai reçu mon colis. Je me suis dit, tiens, ça peut peut-être intéresser les gens de savoir où je me fournis et ce que je prends comme type de visserie. Alors, cela, c'est la première fois que je les prends. Comment ils m'ont fait ça, ces bâtards? Donc. Hop là, facture, s'en fout. Ah, tiens, ça va être bon. Donc moi, je me fournis chez Fix & Vis. Chez Fix & Vis, certains connaissent peut-être plus Bricovis. Bricovis, j'ai pas fait parce qu'ils ne livrent que en France métropolitaine. Donc du coup, Fix & Vis, c'est le même principe. Vous allez donc sur le site, vous cherchez les vis 6 pans. Ensuite vous avez les modes de tête fraisée ou tête bombée, soit vous les prenez déjà en inox ou pas, vous rentrez vos quantités et roule ma poule. Donc là je suis parti sur la visserie inox A2. La liste est longue. La liste est vraiment longue. Là, si c'est vrai, je vais juste vous donner une idée, mais regardez, j'ai, voilà. Et j'en ai encore derrière. Donc vraiment, en tout, j'ai calculé, je dois avoir plus ou moins 1250, 1300 pièces différentes de vis inox qui vont du M3 par 8 au plus grand qui est le M4 par 40 en tête fraisée et tête bombée. Je les ai prises en inox A2. En inox A2 parce que pour moi ça me suffit je pense. Vous avez l'inox A4 également qui est disponible, en sachant que l'A4, la différence c'est qu'il y a juste un composant supplémentaire qui est dedans, je sais plus comment il s'appelle, qui résiste plus à l'oxydation, qui est plus utilisé en, sur les chantiers navals. Donc ça se présente tout et donc en sachet de manière individuelle, il n'y a rien en vrac, il n'y a pas besoin de vous faire chier à trier comme ça peut parfois être le cas. Donc vous voyez, hein, j'ai de la quantité. Et alors ils nous ont filé un cadeau surprise made in France. Fixe une vis, c'est fleur de sel de l'île de Ré et chocolat bio de 45%. Donc du chocolat. Donc pour quelqu'un qui est intolérant au lactose, c'est génial. Merci les gars. C'est pas moi qui vais le manger. Donc du coup voilà, vous avez donc tout en tête cipante, tête plate. Enfin tête fraisée, tête bombée, et j'ai pris également avec, donc vous avez tout hein, là-dessus, hein. Vous avez des rondelles, et j'ai pris aussi des écrous nil stop M3, et non ça c'est les M4, M4, est-ce que j'ai le M3, ils n'ont pas mis le M3, où sont-ils? Ah, voilà. Donc ouais, voilà. Donc bien M3, M4, 30 pièces, 50 pièces. En fait, il faut savoir que je vais vous donner un ordre de prix. Hein. Et sur Bricovis, c'était plus ou moins l'équivalent. C'est que sur
Donc, je vais dire que moi j'ai de réflexe. F 40, 41. 41. Donc, 39 sachets de vis à raison de 30, de 30 pièces par sachet. Donc, ça nous fait un peu moins de 1200 pièces en termes de vis. Et j'ai donc 2 fois 50 écrous nil-stop M3M4, donc 100 écrous en plus, donc ce qui nous fait un total quasiment de 1300 pièces bien tapées, quoi. Pour tout ça, ça m'a coûté 90 euros. Donc voilà. Donc des fois, il y a, c'est vrai qu'il y a souvent des petits packs sur Amazon de vis, mais bon, c'est 5 de comme ça, 10 de comme ça, et ainsi de suite. Donc des fois, vaut mieux faire une grosse commande et être tranquille pour le reste de l'année. Et surtout que j'ai déjà commandé des vis chez eux et je suis relativement content parce que c'est livré en mondial relais et en de surplus super rapidement. Donc voilà. Donc je voulais vous partager ça parce que bah voilà, si les gens ne connaissent pas, donc Fix and Vis. Fix and Vis, le roi de la vis. Parce que voilà. Et après, bah voilà, plus qu'à taper ça dans les boîtes. Sur ce, les gars, je vous dis à bientôt. On se voit bientôt pour un prochain live peinture de nouveau et encore des runs et ainsi de suite. Sur ce, les gars, prenez soin de vous. On est jeudi. Si on se voit pas d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Ciao, les gars.